Mais en fait, je vous explique un truc. En fait, je suis un gros dingue. Je suis un malade. Et si je veux, moi, je dis ce que je veux. Par exemple, si j'ai envie de dire des trucs engagés, je dis des trucs de fou, toi. Par exemple. Si je veux, par exemple. Il y a du mal. Par exemple, si je veux, on y va, je dis je critique la société, ouais. Je suis chanteur engagé, je critique la société normale. Par exemple, si je veux, je dis par exemple, la société actuelle. Ouais. Non, faut pas dégager. Non. Pas mal, pas en fait, la société actuelle, non. Elle est pas si mal. Ouais. Mais je trouve que des fois, elle pourrait être mieux. Ouais. Ok, par exemple, les enfants qui meurent de faim partout dans le monde. Bah pour être tête qui mange, sinon il faut être malade. Ouais. Et là j'ai fait un vrai truc de fou. Parle pas quand j'ai le micro, t'as l'air con. Et là j'ai fait un vrai truc de fou, je vais dénoncer le racisme, ouais. Ouais. Ah, par exemple, si je veux, je dénonce le racisme. Mais attention, on s'emballe pas. Moi je dénonce pas n'importe quel racisme. Vous savez ce que c'est le racisme? C'est quand t'attends pas de connaître les défauts de quelqu'un pour le dire et ne pas l'aimer. C'est ce que je disais, ouais, moi je dénonce pas n'importe quel racisme, je dénonce le racisme des blancs envers les pas blancs. Je suis chanteur engagé parce que si je commence à dénoncer le racisme des pas blancs sur les blancs, après ça va être qui le raciste? Eh, c'est quoi? C'est pas fou. Ah bah ouais, quand on fait pas du hip-hop, on peut dire des sacrées conneries. Voilà, bon, ça, une fois que ça passe dans le concert, le reste y passe, on peut y aller pour s'engager. D'avoir avec la chanson, c'est un extrait de concerto pour une voix, c'est un peu. Voilà, dans ce genre de ça, un con, un petit peu de culture, ça fait pas de mal. Allez-y. Ouais, dis-moi merci, hein. Aujourd'hui, moi j'ai vu le rêve d'une humanité. Plus humaine sans haine et sans méchanceté. Solo. Elle me dit un truc de fou, elle me fait Didier. Là, je suis en train de vous imiter ma mère, mais ça se voit pas parce que c'est ma mère, on se ressemble. Elle fait Didier, si tu butes les gens sous prétexte qu'ils pensent pas comme toi,
Et le méchant, ça va être toi. Et comme ça. Elle comprend rien. Et non, bon, par contre, mon beau-père, il a dit un vrai truc de malade. Il a dit Didier, si t'es pas dans les affaires ou si t'es pas dans la politique, buter les gens, c'est illégal. C'est pas con.